Julia est professeure en économie écologique à l'Université de Lausanne. Elle est également connue pour être co-auteur principal du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Et son parcours académique est assez intéressant. Hein. Après avoir obtenu un doctorat en physique expérimentale, elle s'est déportée vers l'écologie industrielle, puis a été amenée à l'économie politique. Je pense que s'il existait un bingo de l'interdisciplinarité, Julia aurait toutes ses chances. Ses nombreux prismes de compréhension sont mobilisés maintenant par le biais de son projet Living Well Within Limits, qui, en mettant en rapport ressources biophysiques, systèmes économiques et le concept de bien-être, ouvre des questionnements pertinents et des perspectives nouvelles. Donc, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je vais passer assez rapidement sur certains points, d'ailleurs je ne vais pas en parler du tout parce qu'ils ont déjà été évoqués dans la présentation précédente, et pour m'attarder plus sur d'autres points, alors je vais passer tout, limite planétaire, biodiversité, machin, ok, je vais m'attarder un petit peu plus ici. Alors je pense qu'une des choses qu'il faut que nous prenions au sérieux, et c'est là que j'ai peut-être un petit point de désaccord avec la présentation précédente qui était excellente, c'est que nous sommes dans un temps absolument unique pour la vie sur Terre et pour notre espèce en particulier. C'est-à-dire que nous sommes en train de chambouler le climat à une vitesse qui nous sort déjà des zones du climat dans laquelle notre espèce d'Homo sapiens n'a jamais vécu. Et donc, dans ce contexte d'urgence climatique et écologique généralisée, nous sommes obligés de réfléchir et de faire différemment. Ces défis ne devraient laisser personne tranquille dans leur façon de faire, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de travailler. Et donc ça, je pense que c'est juste quelque chose de très important. Ce graphique basé sur un article de Burke et al. Dans PNAS montre le temps long de la planète par rapport à la température, donc des millions d'années par rapport à nos projections, et justement conclut que le futur de notre planète, selon les modèles climatiques, ressemble au passé très très lointain. Il est bien sûr hors de question qu'une telle rapidité de changement climatique laisse les écosystèmes intacts. Ils n'ont aucune chance de s'adapter. Donc, dans le passé, le changement climatique étant plus cool en termes de vitesse, les écosystèmes avaient plus de chances. Actuellement, ils n'en ont aucune. Donc nous sommes désormais sortis de l'Holocène, ça correspond à un avenir dangereux et incertain, donc ça c'est un graphique du GIEC qui montre, est-ce qu'on a le petit giglet? Non, je crois pas que j'ai de laser. Ah si, j'ai un laser. Waouh, c'est la classe. Vous êtes la classe en France. Ok, vous voyez la zone rose de température. Ça, c'est la température de la zone de température de l'Holocène. Et nous sommes qui a accompagné les 12 000 dernières années de l'espèce humaine, et donc où nous avons pu développer l'agriculture, etc. Et dont nous sortons en vitesse grand V actuellement. Alors, ce qui m'amène au point qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'en fait, si on considère ce changement, en fait, c'est une scène de crime. Et c'est un crime industriel. Donc la planète entière est actuellement une scène de crime industriel, car l'industrie des énergies fossiles connaît l'ampleur de ce problème depuis des décennies. Et là, je vous réfère simplement à l'excellent article de Subran, Oreskes et Ramstorff, qui est sorti plus tôt cette année, en 2023, qui montre, en étudiant les modèles climatiques d'Exxon, maintenant ExxonMobil, que Exxon avait une meilleure connaissance climatique de l'avenir dans lequel il nous apportait. Par exemple, ce graphique, a été fait en 1982 et a un pouvoir prédictif assez important sur 40 ans, ce qui est top. Nous serions très fiers si nous ferions pareil. Mais ça, c'est Exxon qui l'a fait en interne. Le rapport n'a pas été circulé au grand public, bien sûr, n'a pas été circulé aux investisseurs, même aux employés d'Exxon, en fait, ni aux décideurs. Mais ils ont viré les scientifiques et ils se sont lancés dans la désinformation, le déni et le délai, donc à coût de millions de dollars par année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où nous sommes, notre présent et notre avenir est une création industrielle, entre une certaine façon de faire, une certaine façon de conduire leur business, et une certaine emprise sur notre milieu informationnel, communicatif. Les liens entre l'industrie des énergies fossiles et l'industrie des relations publiques, de la publicité, etc.,
est très très fort. Ce sont des industries qui ont grandi ensemble, et l'industrie des relations publiques, c'est pas une conspiration, c'est quelque chose qu'on peut étudier dans les données, dans les faits, sert de think tank souvent centralisé pour les industries fossiles. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Alors, quelles pistes pour réfléchir ? Alors, pour notre projet Living World Within Limits, on avait l'impression qu'on avait besoin d'un nouveau cadre théorique. Alors, le cadre théorique, on a pris longtemps pour réfléchir, peut-être qu'il a l'air très simple, ça ressemble plus ou moins à ça. On a les processus biophysiques d'un côté, la performance sociale avec besoin et bien-être de l'autre. Et au milieu, c'est peut-être le plus intéressant, c'est cet objet d'économie hétérodoxe. Donc, il était peut-être la chose la plus importante, c'est qu'il était hors de question pour nous d'adopter une approche d'économie mainstream où le développement technologique se fait à travers les marchés et tout est basé sur des prix. Absolument hors de question, parce que tout simplement parce que ça ne ressemble pas à la réalité. Donc, on avait besoin d'un autre objet qui nous permette de faire cette recherche. Et cet objet, c'est un objet de l'économie hétérodoxe. Ce sont les systèmes d'approvisionnement et qui ont des caractéristiques à la fois physiques et sociales. Et ça paraît assez abstrait, mais pour finir, ça nous est utile. Et alors, première question, qu'est-ce que c'est le bien-être ? Je vais passer là-dessus. En gros, on adopte une approche aristotélienne, eudémonique. Si ça vous intéresse, ce que j'espère moyennement, on a écrit des papiers là-dessus, mais je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Nous passons. Ok, alors, sur la base d'un cadre systémique, c'est là où je voulais en venir. Alors, 5 pistes d'action en gros, c'est-à-dire mesurer l'état actuel, considérer les inégalités, analyser le pouvoir politique de la réelle économie, modéliser, explorer les futurs et orienter les pistes d'action et les pistes de réflexion. Donc ça, pour nous, pour moi, ce sont les 5 grands chantiers qui sont nécessaires actuellement pour la science. Et je vais parler rapidement de chacun. Alors, mesurer l'état actuel, on a par exemple pu analyser s'il existait des sociétés, des pays qui, en moyenne, respectaient les limites planétaires et les besoins humains à travers, par exemple, la perspective de l'économie du donut de Kate Raworth. Donc, on a pris plus ou moins ces indicateurs qui correspondent aux limites planétaires et aux besoins humains, les buts à l'intérieur du donut se retrouvent, par exemple, aussi plus ou moins dans les objectifs de développement durable. Et puis, on va faire très rapidement, la réponse, c'est non. Alors, sur ce graphique, chaque fois qu'un pays dépasse une limite biophysique, on l'augmente d'un cran sur l'axe horizontal. Donc, plus un pays est loin sur l'axe horizontal, plus c'est mauvais. Plus un pays augmente, chaque fois qu'un pays satisfait un seuil social, on l'augmente d'un cran sur l'axe vertical. Donc, plus un pays est haut et mieux c'est. On trouve des pays qui ont peu d'impact environnementaux et peu de performance sociale, genre le Sri Lanka ou la Moldavie. On observe des pays genre le Canada ou la France qui sont en train de dépasser beaucoup de limites planétaires. Il faudrait peut-être que je dise, on a mesuré ça en termes de consommation, c'est-à-dire qu'on prend en compte les échanges internationaux, qui dépassent beaucoup de limites planétaires et qui ont un bon niveau social en moyenne. Et on observe des pays qui sont les pires des deux mondes. Ça, c'est tout à fait possible de dépasser énormément de limites planétaires puis de ne pas avoir un très bon niveau social. Top. Par contre, le quartier qui est désespérément vide, c'est où nous voudrions être. Et du coup, la question de recherche, donc quand Kate Raworth, parce que tout le monde a été super déprimé quand ils ont vu ce papier, génial. Et puis Kate Raworth aussi, et une des choses qu'elle a dit, c'est « Ok, ben maintenant, nous sommes tous des pays en voie de développement, parce qu'on a tous notre chemin à faire dans ce graphique. » Et donc la question de recherche devient « Comment pouvons-nous arriver là, depuis ici où nous sommes actuellement ?» Et c'est une question qui se pose à tous les pays. Alors, bien sûr, la question des inégalités, des spécificités devient très très importante. Le graphique précédent, il cache des énormes crimes, car il fait des moyennes nationales. Les moyennes nationales, c'est connu, cachent des crimes énormes. Ces réalités sont vécues très différemment par différents types de revenus. Ce graphique, j'espère que vous l'avez vu, parce qu'il a quand même fait le tour, c'est du rapport Emissions Gap Report du PNUE.
de 2020, où ils avaient tout un chapitre sur l'inégalité. C'était un des premiers beaux gros boulots sur l'inégalité, c'était magnifique. Et ils ont fait ce graphique très colorié où, en fait, maintenant, la population humaine sur Terre est divisée par pourcentile. Et puis, bien sûr, je dois le dire avant de l'oublier, Lucas Chancel, qui est à Sciences Po, a écrit le papier le plus magnifique sur les inégalités d'émissions de gaz à effet de serre l'année passée dans Nature Sustainability. Mais il n'avait pas un graphique aussi joli que celui-là. C'est pour ça que je suis mon celui-là. Mais son papier, il est bien mieux. Donc, regardez son papier plutôt pour les données les plus récentes et qui montre que le premier pourcentile en termes de revenus a des émissions complètement démesurées. Ça, c'est les rouges. Et le 50e, la moitié la plus pauvre de l'humanité a des émissions tout à fait négligeables. Et ça a un impact planétaire. C'est-à-dire que les émissions, la tarte des émissions mondiales en 2015, le premier pourcentile le plus riche est responsable de 15% des émissions mondiales. Le 10% le plus riche, qui inclut le 1% le plus riche, c'est environ la moitié des émissions mondiales. Donc on voit l'impact de l'inégalité absolument monstrueuse. Et la moitié la plus pauvre de l'humanité est responsable de 7% des émissions. C'est moins que la moitié du 1% les plus riches. Donc c'est une inégalité qui suit l'inégalité économique et qui est quand même assez flagrante. Cette inégalité, on la voit non seulement au niveau international entre les classes de revenus, mais aussi à l'intérieur d'un même pays. Donc ça, c'est un résultat du dernier article de la thèse de Martha Baltruszewicz de mon équipe, qui a fait cette étude pour le Royaume-Uni, où maintenant on a les déciles de revenus et leur empreinte énergétique par poste de consommation. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'habitat, c'est la partie plus ou moins violette, est plus ou moins également répartie. Par contre, ce sont les catégories de transport qui sont très inégales. Et ça, ce n'est pas seulement à l'intérieur d'un seul pays, ça, c'est quelque chose que nous constatons au niveau international. L'électricité et le chauffage dans l'habitat sont beaucoup plus également répartis que les catégories de transport, que ce soit voiture ou avion, qui sont les grandes catégories rouges et roses dans ce graphique. Et l'inégalité est tellement grande au Royaume-Uni que le 10e pourcent, donc le décile le plus riche, utilise autant d'énergie dans l'aviation uniquement en prenant des vols que les 20% les plus pauvres en totalité. Donc on a vraiment ce genre de compréhension de ce que ça veut dire dans la réalité, cette inégalité pour notre système Terre. Donc ça a vraiment un impact macro et vouloir agir contre les crises écologiques et climatiques, c'est affronter l'inégalité. Et donc affronter le pouvoir, affronter l'accumulation de la richesse. Du coup, c'est très très important de pouvoir, dans notre recherche, analyser quelle est cette réalité du pouvoir de la politique et de la réelle économie. Donc là, je vous montre juste un exemple parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, j'avais une doctorante qui s'appelle, qui est maintenant postdoc, qui s'appelle Elke Birgmeier, puis elle m'a dit, elle faisait de l'économie marxienne, et puis elle me disait, ouais, ton projet c'est bien gentil, mais vous faites pas d'approche systémique, c'est un peu. Et puis quand elle a vu ce papier, elle a dit, ah non, vous avez décortiqué le capitalisme. Donc j'étais très fière. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse historique, technologique et économique du système de la création de la dépendance automobile pendant le dernier siècle. Alors, c'est une approche systems of provision, c'est une approche de l'économie hétérodoxe, de l'économie politique. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé 5 éléments de la mise en place de la dépendance automobile, c'est-à-dire l'industrie automobile, les routes et les parkings, les infrastructures, la planification urbaine qui est très très importante, l'abandon des transports en commun qui est un chantier actif, et la création de la culture automobile et son évolution. Et c'est juste pour dire qu'on voit vraiment la mise en place d'un étau qui crée en fait cette dépendance automobile et que pour nous le produit principal de notre ère technologique, c'est cette dépendance. C'est pas l'automobile en elle-même, c'est tout cet assemblage d'industries et d'intérêts qui crée des infrastructures, des façons de vivre, des façons de penser qui ne se passent pas de la voiture. Et donc je vous recommande cet article, on l'a appelé l'opus parce qu'il est un peu grand, mais vous pouvez le lire par chapitre si ça vous intéresse. Mais je pense que ça fait partie de notre job de démontrer en quoi consistent ces structures industrielles de pouvoir, d'accumulation de richesses et de transformation des façons de vivre.
Alors, si on s'intéressait qu'au passé et qu'au présent, ce serait un peu déprimant. Il faut donc aussi pouvoir modéliser et explorer des futurs, des alternatives assez radicales. Alors, nous avons essayé de modéliser un avenir différent. Là, nous nous sommes très fortement basés sur les travaux du professeur Narasimha Rao, qui est actuellement à Yale University, et qui a créé cette théorie de decent living energy, c'est-à-dire quel est un mode de vie décent. C'est pas de la richesse, c'est pas du luxe, mais c'est du confort. C'est un mode de vie où les personnes qui ont ce mode de vie ne devraient pas souffrir de pénurie, ne devraient pas souffrir de déficience. C'est-à-dire en tout cas avoir un confort physique et des capacités de communiquer et d'interagir avec leur société qui leur permettent d'avoir tous les projets de vie qu'elles voudraient, etc. Donc c'est une approche Aristote, besoin humain, etc. Si vous voulez, on pourrait y revenir. En gros, à quoi est-ce que ça ressemble? Et puis c'est là que ça devient toujours un peu compliqué. Donc on le traduit en services énergétiques, on a des services de nutrition, des services d'habitat, d'eau, de communication, donc c'est pas nécessairement low-tech. On est vraiment basé sur l'efficacité, les technologies les plus efficaces possibles, les infrastructures les plus efficaces possibles. Mais tout le monde a droit à un téléphone portable, tout le monde a droit à des données, tout le monde a droit à Internet, Wi-Fi, tout ce que vous voulez. Santé et éducation qui sont plus ou moins traduits par l'infrastructure. C'est un modèle assez basique, hein. Mais on a essayé de tout mettre, y compris l'énergie grise nécessaire pour les équipements et les infrastructures. Et on a aussi décortiqué la population humaine en termes de démographie, rural, urbain, conditions climatiques avec un peu de réchauffement là-dedans, etc. Donc on a quand même certaines subtilités dans le modèle. Et en gros, le résultat, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est... l'énergie grise, on pense qu'on l'a quand même assez bien capturée parce qu'on a accès à des modèles justement input-output qui nous permettent d'avoir des estimations pour cette consommation indirecte. C'est qu'une énergie suffisante aux besoins de tous en 2050 utiliserait 40% de notre consommation actuelle malgré la croissance démographique. Donc on est en train de, c'est clair que c'est un modèle archi égalitaire, mais c'est aussi un modèle très très haute performance basé, contrario à la grande majorité des scénarios du GIEC, sur des technologies qui existent dans la réalité. Donc notre modèle, il est peut-être utopique et complètement délirant parce qu'il y a une égalité et un développement à l'intérieur de ce modèle qui sont assez faramineux, mais technologiquement, il est plus réaliste que les autres. Ça, c'est peut-être à réfléchir. Et donc, de pouvoir modéliser ça, je pense que ça apporte quelque chose parce que ça apporte une perspective d'avenir qui est différente des autres perspectives. OK. On en arrive à la partie peut-être la plus importante pour moi, c'est comment est-ce qu'on oriente les pistes d'action, les pistes de réflexion, parce qu'il faut tous qu'on se remette en question, tous et toutes qu'on se remette en question de manière assez permanente, parce que nous sommes en train de vivre des moments qui sont inédits dans l'histoire de notre planète et de notre espèce. Nous avons fait une étude qui nous a permis, ça c'est la, c'est plus une review, ça a été publié en 2021, je suis désolée, c'est un slide, je sais pas pourquoi, enfin, publié en 2021, donc ok. C'est une étude publiée par Yefim Fogel dans le cadre de sa thèse qui nous a permis de regarder quels sont les facteurs positifs ou négatifs qui permettent aux sociétés d'atteindre des meilleurs niveaux de satisfaction des besoins humains de leur population et une basse consommation énergétique. On a des facteurs positifs qui sont les services publics, donc on arrive à mesurer en gros, qui sont significatifs, services publics, économie, égalité des revenus, démocratie, accès à l'électricité et aux infrastructures de réseau, plus ou moins de façon générale. Des facteurs négatifs qui sont l'extractivisme, c'est-à-dire, on a eu les exemples de l'orpaillage par exemple avant, c'est-à-dire les économies qui sont très dépendantes des secteurs miniers, extraction fossile, etc., ne se portent pas bien selon ces paramètres, et aussi la recherche de la croissance économique au-delà d'un revenu modéré est aussi un facteur négatif qui ressort de cette analyse. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est simplement de la réalité. Alors donc, question vivre bien à l'intérieur des limites planétaires est-ce possible? Oui, mais seulement grâce à une transformation complète axée sur la suffisance, la sobriété, l'équité et l'efficacité maximale. Donc ça, c'était plus ou moins les conclusions de notre projet de recherche « Living Well Within Limits ». Nous avons eu la chance d'acquérir un assez gros projet européen, c'est un ERC Synergy, donc c'est 10 millions, donc c'est chouette, on est très contents, merci.
l'Union européenne, sur les économies post-croissantes. Et pour moi, c'est le prochain chapitre, donc le Living World Within Limits, c'est un projet qui se termine. Ça, c'est un projet qui vient de commencer. Et en particulier, je voulais juste attirer cette idée de la démocratisation. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous dans le troisième groupe de travail, enfin pas le troisième groupe, le troisième work package dont je suis responsable, où on pense à la démocratisation des systèmes d'approvisionnement. Et je pense que ça rejoint la conférence précédente. Mais ça, c'est quelque chose qui est en cours, donc on n'a pas encore de résultats. Parce qu'on vient de commencer. Alors, les transformations, ce n'est pas que pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire de repenser nos cadres et nos modes de pensée ? Quels sont les cadres de pensée qui nous permettraient de rester aussi près de l'Holocène que possible ? Faut-il repenser les disciplines et le dualisme, les dualismes de Descartes et Bacon ? Oui, absolument. La réponse est oui, absolument. Et repenser la recherche, nos rôles et nos ambitions. Et pour moi, il y a certains livres qui m'ont vraiment ouvert les yeux, donc je vous les conseille. Breeding Sweetgrass de Robin Wall Kimmerer, Decolonizing the Mind de Gugi Wathiongo, et puis surtout The Nutmeg's Curse, en fait, qui prend des éléments des deux autres. The Nutmeg's Curse va être publié en français cette année sous le titre de La malédiction de la muscade. C'est probablement le livre le plus important que j'ai jamais lu, donc je vous le conseille. Il est assez incroyable. Et puis, pour moi, je suis une des scientifiques qui fait de l'activisme, qui fait du militantisme, qui va me scotcher sur les routes ou faire de la désobéissance civile non violente quand j'ai le temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui non seulement fait partie de notre réflexion, mais qui devrait aussi faire partie de notre intégrité, de notre responsabilité de réfléchir à notre positionnement. Je suis absolument... ça, c'est les collègues, c'est Charlie Gardner et Claire Worldly. C'est leur article dans Nature, Ecology and Evolution qui m'a vraiment interpellée. Ils disent The scientists who alerted the world to the climate and ecological crises have a moral duty to join the popular movements demanding political action. Donc, nous avons un devoir de considérer en tout cas notre adhésion au mouvement populaire qui demande aussi une réponse adéquate. Je pense que nous avons un devoir d'éduquer et aussi de soutenir la désobéissance civile non violente. Nous avons un devoir de repenser le rôle de l'université. Nous avons écrit un article qui a un titre drôle, From Publications to Public Actions. Nous faisons des efforts sur le repenser le rôle des académiques et de l'université. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi important et que nous avons aussi un devoir de nous solidariser envers les activistes qui sont de plus en plus criminalisés de par le monde. Qui commence à avoir des longues peines de prison de plusieurs années, jusqu'à 3 ans au Royaume-Uni, par exemple, et des conséquences beaucoup plus graves dans les pays, par exemple aux États-Unis, au Canada, ou dans les pays d'Amérique latine, etc. Et aussi, cette question de la criminalisation des activistes, c'est aussi une question de la démocratie. Et donc ça, je pense que c'est aussi important. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que les gouvernements agissent comme acteurs qui sont trop en lien avec les industries qui sont en train de commettre ce crime industriel planétaire. Et du coup, les activistes agissent en tant qu'acteurs démocratiques et les gouvernements qui les répriment sont en train, en fait, d'utiliser tous les moyens possibles pour continuer à se positionner auprès de ces industries. Et je pense que c'est très important de comprendre notre recherche comme active dans ce jeu de pouvoir. On a écrit, c'est le dernier article qu'on a écrit plus ou moins là-dessus, c'était déjà l'année passée je crois, c'est sur le rôle des scientifiques dans la désobéissance civile non violente, qui a un rôle salutaire et qui aide en fait la communication, les politiques à avancer. Donc ça, on l'a produit, je crois, je ne sais plus dans quelle Nature c'était, et je pense que ça, c'est quelque chose, un débat à continuer. Et puis je pense que je vais simplement rester là. Merci beaucoup.